tenter d'ouvrir la porte, quoi. J'ai bien fait de fermer, hein. Une fois qu'elle a fini ça, je l'entends marcher, aller devant la porte de Charles et rester immobile. Juste, je l'ai entendu Charles se lever tout à l'heure pour aller pisser. Non. Non ? Donc là, je sais pas qu'il est pas dans sa chambre. Là, il est revenu. Alors, déjà, il est sûrement revenu dans sa chambre. Il est déjà revenu. À ce moment-là, mais je précise que je dors en verrouillant ma porte comme toute personne normale. Oui, je laisse pas ouvert. Bon, voilà. Surtout avec cette personne. Voilà. Même de manière générale. Nous allons faire un jet de dés pour Charles. Est-ce que j'ai pensé à refermer ma porte ? Oui. Charles, tends le bras pour appuyer sur le dé. À tout moment, un échec critique. Elle est déjà dans ton lit. 65. Charles est en train de dormir. Et du coup, Fred, tu es toujours réveillé. De longues minutes passent et tu entends juste un. D'une porte qui s'ouvre. À côté. Ça ne bouge pas. Vraiment, pas aucun bruit. Toujours la lumière ? Je la vois, la lumière ? Elle s'est éloignée. Oui, la, mais j'ai toujours le prémisse du truc. Oui. Okay. Donc tu vois qu'elle est encore dans le couloir. Mm-hmm. Ou en tout cas, elle a peut-être posé la lampe ou je sais pas quoi, mais elle est. Voilà. Ouais, de toute façon, on l'aura entendu de toute façon. Ouais, ça, ouais, non, tu l'auras entendu. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle est vraiment pas dans une autre chambre que celle de Charles. Quoi. Elle est vraiment à côté. Et t'entends, hein, sa respiration. Vraiment. C'est, en fait, t'es tellement concentré sur le bruit que tu l'entends parfaitement. Tu l'entends respirer. Vraiment beaucoup plus fort. Comme si, regardez, enfin, quelque chose, enfin, c'est bizarre, je comprends pas trop ce qu'elle a fait. Et d'un coup, ça refait. Ça bouge pas. Et les bruits de pas reprennent. Ouais, ils s'en vont au loin. Trop tard, t'es condamné, t'as fait une incantation satanique, là. Charles, dans ton sommeil, t'auras une sensation bizarre. Vraiment, tu feras un rêve comme si il y avait des milliers d'yeux qui te regardaient. C'est noté, je m'en souviendrai. Vraiment, t'auras une sensation d'être observé, intense. Et la nuit se passe. Fred, tu as beaucoup beaucoup de mal à t'endormir après ça. T'as l'impression, tu te concentres sur tous les sons et t'as l'impression que tous les craquements, n'importe quoi, ça peut être elle. T'as vraiment trauma, quoi. C'est moi qui voulais jouer sur ça pour avoir plus de matos et des trucs comme ça. Au final, ça s'est retourné contre moi. Alors, pour le coup, ça t'a mis très mal parce que c'est pas normal ce qui vient de se passer. Vraiment, elle s'est déplacée. C'était très malaisant. C'était volontaire, c'est pas juste un check-up, c'est vraiment... Non, c'était vraiment bizarre. Ça, j'en ai conscience. C'est pas juste à la vérifier si les portes étaient fermées ou si on était dedans. C'est vraiment, elle a tenu à rester devant les portes, 3-4 minutes chaque porte, et a même essayé de rentrer dans la chambre de Charles. Enfin, au bout d'un moment, toute personne censée se dirait « je m'en vais ». Et peut-être somnambule ? Non, pas avec une lampe. Tu n'allumes pas une lampe quand tu es somnambule. Ouais, tu sois somnambule, mais si t'es somnambule, je pense pas que tu mettes genre 40 secondes par poignée. Surtout voilà, que quand t'es somnambule, je suis pas sûr que tu saches arrêter ta respiration juste pour pas faire de bruit. Je pense que tu fais un boucan pas possible. Déjà que elle, quand elle marche, c'est un délire. Et en plus, elle, quand elle respire, ça doit être un délire. Non, mais ça doit être une camionneuse. Mmh. C'est peut-être le camion. Alors bon, respect à toutes les camionneuses, mais bon, voilà, vous m'avez compris. C'est elle, les traces dans la neige d'or. Vous réveillez le lendemain matin, assez tôt. Et voilà. Vous vous retrouvez dans vos champs. J'ai bien dormi. Pas moi. Bah, pour moi, qu'est-ce qui se passe ? Un cauchemar et... Pour moi, un petit problème avec un proprio. Après, comment ça ? Bon, je vous expliquerai plus tard quand on sera dans la voiture, parce que bon... Ah ouais, je l'ai entendu hier soir. Non, mais t'as pas tout entendu et t'as pas tout vu, je pense. Mais on en parlera après, ça. Je suis déjà assez crevé. Mais est-ce que quelqu'un peut conduire pour aujourd'hui? Parce que bon. Vas-y, je m'en charge si tu veux. Ouais, merci, parce que bon, là, je suis un peu crevé.
vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas conduire et qu'il va moins marcher. La voiture ne va pas pouvoir avancer plus loin que ça. Ah, même on pour l'avait aller... dit hier en ah plus. Mais oui, ouais. Ouais. Ah, c'est la fatigue. Vous réveillez le lendemain matin, vous discutez rapidement de cette nuit-là. Elle n'a pas l'air d'être, de s'être très bien passée pour tout le monde. Fred a l'air d'être un petit peu mal à l'aise. Et surtout, je pense que Fred n'a pas bien dormi. Ah, il doit être fatigué aussi. Je vais me faire un café et je vais m'ouvrir même spécialement ma flasque avec du whisky dedans que je garde pour les occasions spéciales pour me faire un Irish coffee parce que j'en ai besoin. Voilà. D'accord. Tu fais ça. Et tu partages pas. Vous voulez un Irish coffee? Bah, non, juste un café. Moi, je dis pourquoi pas. Très bien. Eh bien, vas-y, apporte-moi ton café. Mais moi, j'ai passé une bonne nuit, je te le chassine. Vous arrivez, vous descendez déjà, et il y a un bon petit déjeuner qui est préparé. Bah, regardez-moi ça, ça fait super plaisir. C'est ça, ça c'est un bon petit déj, ça. Et il y a, du coup, bah... Amy. Amy, qui est assise à la table et qui vous regarde avec un petit sourire. Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? Ouais, on peut dire ça. Ouais, ça, c'était nickel. Le lit était parfaitement confortable. Moi, ça m'a agité, mais... Ouais, c'était confortable, sinon. Ouais, ouais, ouais. Très bien entretenu, vos chambres, d'ailleurs. Ah oui, par contre, oui, effectivement. Ah oui, normal, évidemment. Je suis très à cheval sur la propreté. Après, que imaginez qu'un client soit passé et qu'il soit pas très propre, il faudrait que le client suivant... voilà, quoi. Alors... Très professionnel. Oui. Ah, j'ai bien dormi. C'est rare. Je me suis même levé un peu plus tôt pour faire ce repas. Puisque, bon, on est peut-être parti sur de mauvaises bases. Vous avez l'air d'être des gens très agréables. Ah ben, merci beaucoup. C'est très sympathique de votre part. Elle a une petite lampe à côté d'elle. Et vous voyez qu'elle elle la prend et la pose au sol. Quand elle se rend compte qu'elle est juste à côté d'elle. Eh bien, du coup, j'imagine que vous allez partir. Tout à fait. On va prendre le matériel comme on avait dit hier. On va déjeuner, on va se préparer, on part dans une petite heure. J'espère qu'elle a nos pointures. Espérons. Très bien, messieurs. J'espère que votre voyage sera agréable. Ouais. On va faire aussi en sorte de vous ramener ce que vous nous avez demandé. Ouais, évidemment, ouais. De toute façon, j'ai votre voiture en otage. Tout à fait. Pas besoin d'en arriver jusque-là. En parlant d'otage, je pourrais récupérer la caution vu que nous en allons. Exactement. Parfait. Mais je vais faire un petit tour avant. Oui, ah, bah, évidemment. Évidemment. Bah, par contre, du coup, caution oblige, on vient faire un petit tour avec vous. Ah bah oui. Pas de soucis. Elle commence par la chambre de Charles. Fred, tu te rends compte que tu n'as pas dormi dans ta chambre et que ton lit est parfaitement bien fait. Et que si elle rentre dans ta chambre, elle va se rendre compte que tu n'as pas dormi dans ta chambre. Ou qu'il a juste très bien fait son lit. Ou que j'ai très bien fait mon lit. Exactement. Ouais, bon, ou après, elle a une manière spéciale de le faire et elle va le cramer direct. C'est quoi, c'est lit fait au carré, quoi? Ouais. Ouais. Ouais, donc en vrai, un lit au carré, tu peux le refaire. Ouais, ouais. Bah ouais, mais je suis sûr qu'elle a fait un truc un peu en mode... Oui, mais moi, je plie l'angle droit. C'est un truc un peu bizarre. Du coup, je vais quand même, pendant qu'elle est en train d'inspecter la chambre de Charles, je vais discrètement ouvrir la mienne. Et Bah, je t'assois sur ton lit. Je m'assois dessus. Ouais, voilà. Enfin, je défais, tu sais, les draps de dessous le matelas en mode « Oh là là, j'ai dormi, fou. » Mais que d'un côté. Ouais. C'est tout. Et je tape un peu sur l'oreiller en mode « Oh là là. » Et je refais le lit, mais à l'arrache. D'accord. Fouille de la chambre de Charles, pas de souci. Fouille de la chambre de Thomas, aucun souci. Mais elle marque un petit arrêt. En fait, elle regarde par la fenêtre. Ah, vous avez vu quelque chose? Non. Non, non. Mais elle a marqué son petit arrêt. Est-ce que ça va? Oui, très bien. J'ai regardé la météo. Il fait bon, il n'a pas l'air d'avoir de tempête. Bah, je regarde, je fais... Qui s'annonce. Je regardais, je pense que vous pouvez... En quelques heures, vous serez à ce petit village. Ah, du coup, je répare la fenêtre, il continue à neiger ou ça va? Non, il ne neige pas du tout, là. Oh, nickel. Tant mieux pour nous. Belle journée, nickel. Bon moment pour bouger, là. Et elle sort. Et elle va dans la chambre, du coup, de Fred.
Bah, j'en profite, moi, pour rester dans ma chambre et je range les affaires et je prépare à tout mettre. Mm-hmm. Pareil, je vais faire mes bagages. Et du coup, elle est avec Fred dans sa chambre et elle te regarde et dit « Monsieur Fred, mm-hmm. vous avez bien dormi cette nuit ?» Pas vraiment. Oui, je dois vous avouer que, bon, je dis que j'avais bien dormi, mais c'était pas si... En fait, j'ai entendu des bruits cette nuit. Non, enfin, moi aussi, mais... Bon, quelque chose vous êtes déplacé ? Ah non, pas du tout. Je suis pas sorti de la chambre. Non, bah, de toute façon, vous pouvez le voir, le lit est quasiment pas défait. C'est parce que j'ai passé la nuit... Bah, quasiment sur la chaise d'à côté à réfléchir, c'est pour ça que je suis assez fatigué. Non, mais il n'y a aucun souci, hein. Vous savez, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu que compliqué à dormir cette nuit. Vous avez rien vu de bizarre, vous n'êtes pas déplacé. J'ai entendu des bruits dans le couloir cette nuit, mais... Non. Ouais. Maintenant que vous en parlez, j'ai entendu, je crois que ça venait de la chambre de Charles, il a dû se lever cette nuit pour... Bon, vous savez, il est vieux, hein, donc tout ça, la vessie, je pense qu'il a dû aller aux toilettes. Ah oui, c'est fort possible, mais ouais. Mais, sinon, non. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si je voulais voir ces chambres, c'est parce que j'avais l'impression que je me suis dit, peut-être qu'ils ont piqué, c'est sans méchanceté, hein, que vous aviez peut-être piqué un meuble, puisque c'était... En fait... Juste ce que j'ai entendu hier soir, ce qui m'a empêché de dormir, c'est que bon, je ne me suis pas levé par fatigue, compréhensible, flemme. Mais je vous avoue que c'était lourd. Ça se déplaçait, c'était lourd ce qui se déplaçait. Et au début, j'ai cru que vous étiez en train de voler des meubles, tout simplement. Non. Et puis, de toute façon, vous voulez qu'on aille où avec les meubles ? Mais je ne sais pas, vous serez peut-être parti dans la nuit et tout. Mais j'ai eu... mauvais petit pressentiment, donc j'ai eu peur de me lever de mon lit. Non, mais non, pour le coup, à part le bruit de la chambre de Charles, j'ai pas noté grand chose. Bon, après, je vous laisse faire le check-up de la chambre. J'espère que vous n'aurez rien à redire. En fait, elle ne check pas vraiment la chambre, elle est surtout en mode elle voulait voir s'il y avait des choses qui avaient bougé. Non. Et elle a l'air sérieuse. Elle est pas trop comme ça. Tu voyais vraiment qu'elle avait l'air. C'est pour ça qu'elle était. Si peut-être sympa ce matin. C'est parce qu'elle est ok. Ouais. Parce que elle voulait en voyant que vous étiez toujours là, peut-être qu'elle a moitié stressé compris, tout ça. Ouais, non, bon, en tout cas, hors RP, si elle dit effectivement la vérité, c'est pas la elle, sauce. Si c'est pas inquiétant. Alors, si c'est pas elle qui s'est déplacée dans les couloirs, déjà de 1, je flippe. Et de 2, par contre, ce qui me paraît bizarre, c'est l'effet de la lampe. Je me demande si en vrai... Alors, peut-être la première itération, celle que j'ai entendue, qui transportait un objet lourd, je pense que c'est ce qu'elle a entendu, elle. Et peut-être qu'après, même si elle te dit qu'elle s'est pas levée, tout, peut-être qu'après, elle s'est levée pour venir voir, justement, pour ouvrir les portes, forcément, c'était pas barré. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'elle dit « Ouais, je me suis pas levée » et que j'ai vu la lampe, de toute façon. Et que dès qu'elle a vu qu'on avait vu la lampe à côté d'elle, à côté du déjeuner, elle l'a immédiatement mis à ses pieds pour pas qu'on la voie. Oui, c'est pour ça. Moi, je pense qu'en fait... Donc, pour moi, elle est en train à moitié de mentir, mais c'est pour pas peut-être nous vexer ou des trucs comme ça. Moi, je pense que le truc qu'elle a entendu, c'est le truc que j'ai entendu, moi. Mais le premier bruit, par contre, s'il y a personne d'autre, c'est spécial, pour le coup. Bon, après, je vais quand même la rassurer, du coup. Je vais dire non, vous inquiétez pas. Nous, de toute façon, on volera rien du tout. Nous, comme on vous a dit, on est là en vacances. On cherche absolument pas d'ennui. En plus, vous nous avez accueillis de façon sympathique. Et en plus, vous nous prêtez, vous nous louez de l'équipement, ce qui est très gentil parce qu'on en a besoin. Donc, c'est sûrement pas nous qui allons vous voler quelque chose. Sommes honnêtes. De temps en temps. Du coup, vous avez fait vos valises. Enfin, vos valises, vous prenez votre équipement et tout ça. Elle vous donne... l'équipant, les raquettes et tout genre de choses pour pouvoir se déplacer facilement. Et vous voyez qu'elle a... Elle dit... Oh oui, cette lampe... juste pour... parce qu'elle ouvre une espèce de remise et elle voit rien parce qu'il n'y a pas de lumière dedans. Oui, cette lampe-là que j'ai trouvée ce matin sur la table. Je l'ai mise où ? Et vous avez, elle a trouvé, elle est là. Et elle la regarde,
un petit peu intriguée. Et elle cherche à ça. Vous voyez qu'elle apprend, elle essaie de l'ouvrir, elle essaie de tourner des trucs pour essayer de l'allumer. Et elle sait pas comment trop l'allumer. Elle sait pas allumer la lampe. Elle a pas l'air. En tout cas, elle a cherché. Elle sait pas ou elle l'arrive pas. Elle a l'air de chercher comment. C'est une espèce de lampe à huile, ouais. Bah attendez, donnez. Elle dira oui c'est là. Bah, elle tourne, elle tourne le petit truc et fait voilà ça y est c'est. Jamais trop utilisé ce genre de choses, j'avoue que c'est compliqué. Elle avance dans ce truc, elle vous sort le matériel et tout ça. Ok, parfait, parfaitement un matériel en plus. Bah, bon, on va les prendre. Parfait, on regarde, on fait le listing de ce qu'on a quand même. Parce que bon, faudrait peut-être pas qu'on lui perde des affaires, ce serait dommage. Oh, y a pas grand chose. Ouais, mais on va noter quand même, on est consciencieux. Voilà, oui, comme ça au moins vous pouvez voir ce que vous nous donnez. Si on vous ramène pas quelque chose. Si vous me ramenez tout ça. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus sympa. Elle est plus soft. Elle a, en fait, vous voyez qu'elle a pris un peu confiance, ou qu'elle a capté que vous étiez peut-être pas des voleurs, pas des gens qui venaient pour eux, voilà. Et. C'est comme si, vous comprenez, c'est comme s'il avait une mauvaise expérience. Elle n'est pas si méchante que ça. Ok, tant mieux. Comme si les gens qu'elle nous a dit qu'il y avait des personnes qui étaient venues mais qui étaient venues avant lui avaient volé des trucs, par exemple. C'est ce que je te dis. Ouais, c'est fait menacer. S'il faut, elle a été obligée de, entre parenthèses, d'oublier dans le sens où elle est en mode pire expérience de ma vie. Je préfère oublier ce genre de truc et passer à autre chose, quoi. Ouais. Mais en ayant des a priori sur ce qui va arriver après, quoi. Mais bon. Bon. Du coup, je peux récupérer la caution. Oui, elle te le donne sans trop de problème. Parfait, merci beaucoup. Elle te fait payer. Et c'est pas si cher que ça. Ok. Bah, attendez, avant de partir, équipez-vous, mettez-vous bien. Attendez-moi dans le hall, je vous l'ai promis quand même d'aller vérifier quelque chose. Je te fais une petite bricole, j'en ai pour 2 minutes. Hein. Bien. Bah, vas-y, on finit de préparer du coup. Vous sortez et vous commencez à vous mettre le matériel correctement à l'extérieur et tout ça. Et du coup, tu te retrouves avec elle. Bah, du coup, je lui dis, bah écoutez, madame, étant donné que là, vous nous dépannez énormément, même si c'est en échange d'une course pour vous, je vais regarder ce que vous m'avez demandé hier, que j'ai pas eu le temps de checker, même si je suis fatigué. C'est pas grave. Du coup, dans ma chambre. Oui, bon, je vais regarder très vite parce qu'ils m'attendent dehors, mais au moins je vous fais un diagnostic vite fait et après j'y vais. Allez-y. C'est quelle porte en haut ? Elle t'indique la porte, c'est au fond du couloir. Ok, bon, j'en ai pour 2 minutes. Du coup, je monte. Elle reste en bas. J'ouvre la porte. Tu ouvres. De toute façon, à mon avis, t'as le temps d'y aller, de faire le diagnostic, de réparer, de redescendre avant qu'elle monte. Hein. Ouais, mais bon. Là, tu vois, même si elle a été très bizarre, elle a quand même été sympa sur le deuxième jour, donc je vais pas être méchant avec non plus. Je vais tenir ma promesse. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Bah, elle m'a dit le sommier, je vais soulever le matelas classique et je vais regarder. En effet, des lattes sont cassées, enfin pas cassées, mais sont sorties. Elles sont dégondées. Ouais, c'est ça, dégondées et il faut, c'est pas très compliqué à faire quoi. Bon, je le remets si c'est faisable. Voilà. Tu fais. Et tu te rends compte qu'il y a une armoire qui est ouverte. En fait, il y a comme des serviettes en hauteur. Et c'est comme si il y en a qui étaient un petit peu défaites, comme s'il y avait eu quelque chose derrière des serviettes qu'elle avait enlevées. D'une taille assez conséquente. Enfin, conséquente, ça doit faire 45 cm de largeur et en hauteur, ça doit faire une trentaine de centimètres. C'est comme si elle avait retiré quelque chose. Écoute, ces affaires, même si ça attire ma curiosité, parce que je suis assez curieux de base... Bon, je vais pas fouiller dans ses affaires, elle m'a fait confiance et m'a fait rentrer dans sa chambre sans qu'elle soit montée elle pour vérifier. Donc, je répare ses lattes de sommier, je sors directement, je ferme la porte et je lui fais le compte rendu et je sors. Pas de souci, elle est très contente. Elle fait un petit sourire. Elle est réparée. Oui, c'est réparé. Du coup, vous devriez mieux dormir, je pense. Il y aura moins de bruit. Impatiente de. Que vous reveniez. Oui, bah, on reviendra avec vos courses. Mais elle vient de pincer la joue. Très hâte. Fred. C'est gentil, Amy, mais bon. Je vais y aller, du coup. Je sais pas quand. Demain, peut-être. Et elle approche son visage du tien. Non.
comme si elle voulait te faire la bise. Ouais, mais du coup, je fais comme si j'étais vraiment pressé et genre, je fais « Ah oui, j'arrive, Charles !» Ils m'ont appelé, je dois y aller, désolé. Ouais, elle te lâche un peu. Et tu l'entends... En fait, tu entends son sourire. Vraiment. Le sourire, il grince. Dans ton dos. Et... Je suis triste parce que de base dans la vie je ne juge pas sur le physique, mais là elle est cringe. Elle dit, tu l'entends avec un petit chuchoté un petit peu, pas facile. Non, vraiment, je fais genre comme si Charles il m'avait appelé et je commence à y aller un vous peu speedé. Charles, tu entends ton nom, tu te retournes et tu le vois derrière toi vraiment comme s'il t'avait appelé. Non, mais Charles, donne-moi mon équipement, on y va. Oui, ouais, tout à fait. Allons-y. Ouais, ça s'est bien passé dedans. Ouais. Bon, oui, ouais. Ok, t'inquiète. Cool. Rien de spécial. Charles, vous mettez votre équipement et en fait, vous commencez à partir. Vous voyez Amy qui veut faire un petit au revoir au loin. Les gars, sur le chemin, faites gaffe. Cette nuit, j'ai vu qu'il y avait des bêtes qui se cachaient sous la neige parfois. Oh là, sous oui. La neige. J'ai vu une bête passer sous la neige. Tu l'as s'enterrer. Vu où? Ça doit être au loin dans les bois par la fenêtre des toilettes. Bah. Donc il y a des bêtes sous la neige peut-être, donc faites gaffe où vous marchez. Bah, après c'est peut-être un terrier ou un truc comme ça. Mais, bon, de toute façon, on a des raquettes et tout, ça devrait aller. Ouais, ça devra aller. On devrait pas s'enfoncer. Tu vois... Faire attention quoi. En fait, l'arbre sur lequel ce truc-là, tu vois l'arbre. Bah, tu veux qu'on aille jeter un coup d'œil? Et tu le vois, non mais il est sur le chemin, il est à côté. Vraiment au bord de la route quoi, presque. Et tu vois que les branches de l'arbre sont un peu cassées. Comme s'il y avait eu quelque chose sur l'arbre. Ok, donc c'est un truc assez gros pour faire casser les branches quand même. Ouais. Oh, tu sais, Alors, c'est pas des, il a pas cassé les grosses branches, il a cassé des petites branches sur les et tout ça. Sur, voilà. Mais ça a quand même cassé quelque ouais, chose. Donc, voilà. La preuve que c'était vraiment un animal. Après, on est aux États-Unis, donc bon, t'as des pumas, t'as des blaireaux, t'as des machins. T'as des gremlins. Ouais, ça se trouve, j'ai pensé au fait que ce soit peut-être un félin. Ouais, c'est peut-être un puma qui a voulu grimper. Tu sais, quand il a vu que tu l'avais vu, il s'est barré. Possible. Je pense pas qu'il ait vu que je l'ai vu, ça m'étonnerait. Mais oui. Ah, ça voit très bien dans la nuit pour le coup, c'est bestiole. Hein. Bon, sûrement. Après, on ne va pas théoriser sur ça. Allons-y. Oui, peu importe. Bon, dans tous les cas, faites gaffe quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah. Marchez pas n'importe où. Non, mais au pire, ce qu'on peut faire, c'est que tu passes devant, du coup, Thomas. Et Charles, tu te mets entre nous deux. Vu okay. qu'on est plus apte à te protéger que toi. Bah, c'est logique. Voilà. Bon. T'ouvres la marche du coup, Thomas ? Allons-y. Bon, donc, allez. On m'indique plus ou moins où est-ce que c'est. Accélérons parce que je commence à me les geler. Vous vous dirigez vers le village. Vous avancez. Et en effet, c'est un petit village assez mignon. Au bout de quelques heures de marche, hein, quand même. Il est pas loin de vous partez du chalet. Il doit être à peu près dans les 8h30, 9h. Et vous arrivez, il doit être pas loin de midi, quoi. Quand même. Ah oui, donc effectivement, c'est une bonne trotte dans le froid. En fait, dans la neige, c'est compliqué d'avancer vite. Parce que le village est assez loin, mais ça prend pas 3 heures si vous y allez à pied. Sauf que là, vous avez pas l'habitude de marcher avec les raquettes. La neige est assez épaisse quand même si vous avez des raquettes. Bon, ça s'enfonce un peu parfois. Enfin, voilà, quoi. Pas si facile. Du coup, faut prévoir une heure pour partir. Parce que faut pas qu'on sorte de nuit, en fait. Pas y aller de nuit. Donc, faut compter 2 heures minimum avant de partir. C'est ça. Bon, quoi, la descente sera plus facile quand même, je pense. Ouais, mais on sait jamais. Vous êtes en direction de ce village. Et vous arrivez au bord. Tout est très enneigé, mais d'un coup, là, il n'y a plus de neige. C'est comme si elle avait été déblayée dans tout le village. Tout autour du village, il y a une grosse zone où il n'y a vraiment pas de neige. Comme vraiment c'était nettoyé. Les chemins sont faits. Il y a vraiment pas de neige dans tout le village à part sur les toits des maisons. Mais au moins on a assuré qu'il y a quelqu'un dans le village. Enfin, que c'est encore habité quoi. Exactement. Et vous rentrez dedans, très silencieux, ce petit village. Village qui a aussi l'électricité, je suppose. Oui. Il y a des lumières, des lampadaires, même si en fait il fait jour, mais c'est pas la luminosité incroyable. C'est un petit peu nuageux. Il y a pas de tempête, mais du coup, les lampadaires sont allumés. C'est village ou hameau ? Il y a vraiment pas mal de maisons et ça va loin. Il y a pas mal de maisons, c'est un village. Ok. Alors, c'est entre un hameau et un village. C'est-à-dire que c'est un gros hameau, on va dire. Ok. Et vous arrivez sur la place centrale. Il y a une petite fontaine complètement gelée. Et il n'y a absolument rien. Il n'y a personne dedans ?
Non. Du coup, ça nous a demandé de faire des courses ou quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir une petite épicerie, peut-être? Ouais, sûrement. On va chercher ça. C'est possible, ouais, justement. Et vous arrivez au milieu de ce village. Cette fontaine, elle est bizarre. Parce que il y a des sculptures. En fait, c'est pas comme c'est pas un petit ange qu'on a l'habitude de voir ou une femme avec une un vase ou ce genre de choses. C'est une statue. Une statue d'homme. En fait, c'est un gros pilier et sur ce pilier, il y a comme une statue, un homme qui est creusé dans le pilier, on va dire à peu près. Et en fait, l'eau s'écoule de ses yeux. Ah, il pleure. L'eau s'écoule de ses yeux et, en plus, aussi, il a comme quatre petits trous au niveau de des côtes, tout le long des côtes. Il a imaginé entre chaque côte un trou et de l'eau s'écoule. Oula, c'est bizarre. C'est un homme flûte. Non, je stresse, c'est pour ça que je dis des trucs bizarres. Mais l'eau s'écoule ou c'est gelé, du coup? Alors, non, c'est gelé, ça coule pas. Mais c'est gelé au niveau des trous, parce que vous voyez que... Oui, il y avait de l'eau, ça a gelé. Il y avait de l'eau, ça a gelé complètement, okay. Quoi. Ça a pas, mais ça n'a pas bougé depuis un bon moment, par contre. Peut-être une divinité locale. Un mec qui pleure. Ou dans les légendes, ou je sais pas. Ouais, pas bon. Forcément divinité. De toute façon, elle a un sens, cette... Ou juste un artiste qui s'est lâché, qui a fait ça. Ouais, bon. Par contre, c'est bizarre, il n'y a personne dehors. Hein. Bon, je veux bien qu'il fasse froid, mais quand même. Et alors, il fait froid, mais ça va. Avec la chaleur, des lampadaires et tout ça, c'est un petit peu différent. En fait, c'est peut-être mental aussi, mais le fait d'être dans des maisons, à Cobourg des maisons et tout ça, et de plus être au milieu de la neige, ça vous réchauffe peut-être inconsciemment. Ouais, mais même, c'est bizarre quand même, pour pas mal de maisons, il n'y a personne dehors, même pas un enfant. Quel jour et quelle heure? Ah, il est pas loin d'être midi. Ok. Et on est au milieu de semaine. Ah ouais. Parce qu'on était dimanche, tu vois. Peut-être qu'il y a une église, on croyait, je sais pas. Mais... Et là, ouais, d'un coup, je sais pas. Charles, tu as une petite douleur au niveau de la cheville. Tu sens des pics. Enfin, comment dire, pas de la cheville, mais du mollet, comme si entre la chaussure et le pantalon, comme si quelque chose t'avait mordu. Ouais, une engelure, quoi. Enfin, je vais regarder, du coup. Et tu vois, derrière, tu te retournes et t'entends un grrrr. Oh, saloperie. Et tu vois un petit chien avec un anorak orange qui te regarde et qui te grogne dessus. Je maintiens le réflexe coup de pied que j'ai failli faire. Je vais rien dire, je vais serrer les dents et je vais me reculer un peu derrière mes deux camarades. Mais pas de peur ou quoi, plus occupez-vous-en, quoi. Il t'a fait mal? Je monte ma cheville, cette saloperie vient de me mordre, quoi. Mais en fait, c'est parce que tu étais proche de... C'est toi le plus proche de la fontaine. Et il t'a mordu et tu vois que quand tu t'en éloignes, il s'assoit, il devient un peu plus sage et il vous regarde. Mais de bien aimer la fontaine. Non, mais attends, ce petit truc-là, il veut nous empêcher de toucher la fontaine. Non, mais tu saignes ou pas? Non, pas du tout. Vraiment, non, c'est comme si t'avais niaqué un peu. Ouais, c'est un chihuahua. Non, mais même, on me niaque pas comme ça, moi. Bah, non, mais ouais. Puis bah, tu vois, il vous regarde. Moi, je crois pas les animaux des autres. Et quoi, il fait un demi-tour. Et il va s'allonger. En fait, il a une espèce de grosse niche, mais énorme. C'est comme sur un petit promontoire en pierre. Et il y a un panneau. Un énorme panneau. On est marqué le protecteur du village. C'est un chihuahua en anorak orange.